5-9 avec un circuit en carrière. Ça fait très longtemps que les partisans des Expos ont pu assister à une belle victoire de leur équipe, sauf pour les archives sur Internet, bien sûr. Et ils devront attendre encore plus longtemps, puisque le baseball majeur tranche sur la question d'une garde partagée avec Montréal pour l'équipe des Rays de Tampa Bay. La réponse, c'est non. La planification se faisait depuis 2019 entre le propriétaire des Rays, Stuart Sternberg, et l'entrepreneur montréalais Stephen Bronfman. Les Rays auraient partagé leur partie à domicile entre Tampa Bay et Montréal. Alain Usureau, analyste de baseball à RDS, nous explique. Bon, il y a des gens à Montréal qui étaient intéressés d'avoir une équipe. Et ce projet-là, ça intéressait le propriétaire des Rays. Donc, ultimement, dans le fond, c'est d'avoir l'avantage de s'accaparer des revenus de deux marchés. De deux marchés, bon, de, entre guillemets, moyenne dimension, c'est un peu le but. C'était jamais fait ailleurs. Les Rays connaissent du succès sur le terrain, mais des difficultés majeures du côté des finances. Selon le plan Bronfman-Sternberg, l'équipe aurait disputé des matchs dans un nouveau stade au bassin Peel à Montréal à partir de 2028. Mais le professeur d'économie à l'UQAM et spécialiste en marketing sportif André Richelieu décrit une grande lacune du projet. Au fil du temps, j'ai vu très bien, notamment lorsque le projet de garde partagée est sorti de nulle part, que finalement, peu importe la façon dont on allait avoir du baseball à Montréal, ce qui comptait vraiment, c'était le projet immobilier et très peu de baseball et très peu de retombées pour les gens qui habitent dans le quartier. Les Expos ont représenté la métropole québécoise de 1969 jusqu'en 2004. Leur première maison était au Parc Jarry, là où il y a aujourd'hui le stade IGA de tennis. Ils ont ensuite déménagé au stade olympique de 1977 jusqu'à 2004. Toutefois, un manque d'intérêt du public, d'argent et une gestion douteuse ont forcé la franchise à prendre bagage pour Washington. The Washington Nationals are world champions. Les revenus des équipes sont déterminés en grande partie en ce qui concerne la billetterie, aux billets de saison achetés par les partisans, mais aussi par les corporations. Et c'est ce qui faisait défaut aux Expos, c'est que les gens allaient au stade parce que l'équipe gagnait, on voyait tout à coup 10 000, 20 000, 30 000 personnes, mais il n'y avait pas de garantie de liquidité, de cash flow. Presque 20 ans plus tard, des points de référence de l'héritage du baseball et des Expos sont partout à Montréal. Quel est donc le niveau d'intérêt pour ce sport chez les amateurs québécois? Si on parle de la situation du baseball amateur à Montréal, il y a eu une baisse après 2004, mais la Fédération du baseball au Québec est une des plus dynamiques. Une hausse constante depuis une dizaine d'années dans le nombre d'inscriptions. Les instructeurs sont d'une qualité qu'on n'a jamais vue, puis ça se traduit par un nombre très élevé, record même cette année, de Québécois qui seront dans la NCAA. Salut, mon nom c'est David Claude, on se voit bientôt au Québec. Peut-on donc retenir notre souffle pour un retour du baseball à Montréal? Je dirais que c'est un temps d'arrêt sérieux pour le retour du baseball à Montréal à court terme. Il semblerait que pour le moment, c'est un peu comme espérer pour un match en plein hiver. Edgar Chaput pour Top Chrono.